Faites-vous ce soir aux alentours de 21h10. Moi, je vous conseille de regarder notre chaîne France 2 pour y découvrir notre invité Philippe Basse. Bonjour Philippe. Bonjour Damien, ça va? Mais vous? Eh ouais, ça va, merci. Vous êtes un matinal, ça va? On ne vous a pas fait lever trop tôt? Ouais, non, je suis plutôt un matinal, ouais. Ça tombe bien, parfait. Bienvenue dans Télématin, on vous retrouve ce soir. Et donc, c'est nouveau, hein, vous pouvez vous dire, bah, on est samedi, une fiction sur France 2. Eh oui, vous aurez une fiction ce soir. Et quelle fiction sur notre chaîne? Ça s'appelle La Vengeance sans visage. Vous serez aux côtés de la comédienne Aurore Delplace, Philippe. Alors, c'est un polar, c'est un thriller. Que peut-on dire en deux mots? Vous êtes un commandant de la BRI qui va enquêter sur un braquage? Oui, alors comme ça, quand on le dit comme ça, ça sonne un peu comme quelque chose d'assez urbain. Mais en fait, c'est une enquête où il y a pas mal de nature, de grands espaces. Et surtout, il y a des séquences en altitude de parachute, de wingsuit. C'est-à-dire, ouais, c'est du parachute qu'on fait avec des ailes comme ça. Et ça donne un espèce de un aspect un peu atypique pour ce genre vrai. De téléfilm. C'est vrai. Regardez quelques images de ce qui vous attend ce soir sur notre chaîne. Non. Tu vas t'éclater. Ouais. Un transfert de valeur est planifié sous 3 semaines. Il y a un an, quelqu'un a donné au braqueur le jour et l'heure du transfert. Arrêtez. Trouve-moi tout ce que tu peux sur une certaine Marie-Alice Delorme. Mais elle était dans le coma au moment du braquage. Vous savez, les vols sont souvent le fait d'une fuite. Ou d'une complicité. Alors, c'est vrai que vous en parliez de ces images absolument spectaculaires. Alors, je crois, il me semble, que vous avez appris le parachutisme pour Le Sentier des Loups. Est-ce que c'est vrai pour une précédente fiction? Oui, exactement. En fait, c'était une fiction suivante, en fait, pas précédente. D'accord. J'ai tourné ce téléfilm avant, c'est pour ça que j'ai pas pu sauter en parachute. En fait, pour tout dire, on a eu une idée, pas avec Claude Michel Rome, l'auteur et le réalisateur du film, on a eu une idée de trouver chez ce personnage de ce commandant de la BRI, qui lui avait un passif de parachutiste. Ouais. Et il avait surtout une grande névrose et surtout une grande, comment dirais-je, une espèce de phobie du parachute à la suite d'une mauvaise expérience. Donc du coup, c'était intéressant de développer cet aspect de ce personnage qui, au bout du compte, à un moment donné de l'histoire, va être face à ses plus grandes peurs. Bien sûr. Alors, ça donne lieu à des séquences absolument spectaculaires. On va regarder donc quelques images. On a le droit de révéler des secrets. Là, pour le coup, c'est pas vous. Vous êtes doublé, je suppose, dans les images qu'on va voir. Non, c'est pas moi, heureusement. Mais vous auriez pu, quand même, ou peut-être pas en windsurf, bon, en wing comme ça. En wing, non, mais j'aurais pu 6 mois après. Ah ouais, donc ça s'est joué à quelques mois après, quoi. Oui, parce que j'ai pas fait la formation, mais disons que l'expérience de ce téléfilm m'a donné envie. Puis après, dans une fiction suivante, justement, là, j'ai vraiment sauté. Ouais. Mais en même temps, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on regarde ces images qui sont vraiment spectaculaires. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes quand même de la trempe de ces comédiens qui, en général, font vraiment des cascades, ce muscle. Non, mais vous faites pas les choses à moitié. C'est-à-dire que vous pouvez pas concevoir d'être doublé systématiquement. C'est-à-dire que quand on a le choix, on essaie de faire un peu ce que le personnage fait, comme ça c'est plus sympa pour le public, il peut le voir. Donc c'est pas des grandes cascades, hein. Je suis pas Tom Cruise ni Belmondo, mais disons que ça donne un plus, quoi. C'est sympa, puis on transpire avec le personnage, puis des fois on s'en rend même pas compte. Oui, on est vraiment du coup dans le personnage. Ouais, c'est ça, ouais. C'est sympa quand on est acteur de faire les choses, ouais, bien sûr. Ce qui est sympa avec vous, Philippe, c'est que vous faites les transitions, donc ça c'est super sympa, parce que je voulais vous parler de cet acteur-là, Jean-Paul Belmondo, justement, quand on parle comédien merveilleux, cascadeur. Vous aviez souvent rendu hommage sur votre fil Instagram à Belmondo. Est-ce que c'est un des comédiens qui vous a donné envie de faire ce métier, ce beau métier? Oui, parmi ceux qui m'ont donné envie de faire ce métier, bien sûr. Mais en fait, je dirais que c'est davantage le cinéma et le théâtre qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et après, des exemples comme lui, c'était quelqu'un qui était tellement de... J'ai eu la chance de déjeuner une fois avec lui, grâce à mon ami Antoine Duléry, et c'était quelqu'un qui, même à un certain âge, avec tout ce qu'on faisait de sa vie, c'était quelqu'un de bonne humeur, qui donnait une énergie très bonne, très aimable. Très solaire, hein, Jean-Paul. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Il accueillait toujours très bien les gens qui venaient le voir dans la rue, lui demandaient une petite photo. Ah ouais, sympa. Sympa, et puis, ouais. Puis les gens l'adoraient, quoi. Bien sûr. Normal. Harold Lloyd. Ah, incroyable. Pourquoi Harold Lloyd, vous l'adorez, vous le vénérez, pour vous c'est un génie? Oui, ce sont des acteurs un peu, c'est un peu comme Chaplin, c'est des gens qui mettaient en scène leurs propres séquences. On le voit dans cette photo. Alors là, il y avait eu un trucage, ils avaient fait ça, ils étaient sur un toit d'immeuble, et avec la perspective, on a l'impression que c'était vraiment au-dessus du vide. Ah oui, mais, alors qu'il y avait juste voilà, un toit dessous. Mais quand une maison lui tombe dessus et qu'il passe à ça, là il n'y a pas de trucage, c'est une maison, une façade de maison qui lui tombe dessus, pile poil, et là, c'est une erreur, il meurt. Non, puis c'était à la fois... Je m'inscris davantage dans le divertissement que je dirais dans la culture, quoi. Bon, après, c'est différent quand on fait du théâtre, mais là, ce genre de choses, ça nous...
c'est, je trouve ça extraordinaire, ça donne du plaisir aux enfants quand ils le regardent. Et c'est-à-dire que ça passait sur Antenne 2, il y avait des choses d'Harold Lloyd qui passaient, je me souviens, exact, quand j'étais ouais. plus jeune. Et c'était très bien. Est-ce qu'on peut dire que Bruce Lee, quelque part, il a donné un sens à votre jeunesse ou donné un cap? Complètement. Disons que moi, j'étais très fan de ces films-là quand j'ai eu la chance de pouvoir les découvrir en cassette parce que mes parents avaient acheté un magnétoscope quand j'ai eu 13 ans. Et donc, c'était merveilleux pour moi de découvrir ces films. Et puis, ça m'a donné envie d'aller vers les arts martiaux. Donc, c'est j'ai ça, fait vous du karaté. Cherchiez un peu comme tout ado, je suppose. Oui, disons que. L'école, t'es pas de top, je crois. Non, j'étais un élève médiocre. Mais disons que j'ai pu me structurer, puis apprendre des choses et rencontrer des amis, m'ouvrir à la vie. Et puis, commencer à franchir certaines étapes que j'aurais jamais pu faire à l'école, grâce aux arts martiaux. Et donc. Et le sport en général permet ça, d'ailleurs. On a justement, regardez, on vous a piqué deux photos sur votre Instagram. Ouais, ouais. On vous voit, donc vous avez un super niveau au karaté. Vous êtes quoi, ceinture noire? Oui, ah, c'est bon. Là j'avais 19 alors, ans. Attention, on va voir si est-ce que je me trompe pas. J'espère que j'ai pas. Là. Ouais, c'est moi. Ouais, je suis le 3e. C'était les championnats de France et c'était tout bas en premier. Alex Biamanti qui a fait une carrière incroyable et mon ami là de Vaux-en-Velin, je me souviens plus de son prénom. Ça va revenir, ne quittez pas. Ouais. Camara. Camara. Ouais, et c'est l'air de rien, on était pas mauvais, on se tapait bien. Mais c'était du voilà. Et là, voilà, j'ai 48 ans. Et vous en faites encore aujourd'hui? Ouais, je fais toujours des sports. Je pratique beaucoup de sports, de la boxe pied-point, en loisir, hein, vraiment de l'anglaise, tout ça. Je fais pas mal de vélo, on va en parler d'ailleurs. Mais ouais, je fais du sport en général beaucoup, ouais, bien sûr. Dernière photo, alors, regardez, c'est pour vous mettre sur une piste, Philippe, regardez. Est-ce que cette photo qui va arriver, elle va arriver? Ah, Francis. Francis. Ouais. Il a cru en vous, vous avez bien sûr, été votre prof. Ouais, non, c'était pas mon prof. Moi qui ai loupé tous les concours dans ma vie, ouais, j'ai tellement loupé que j'en ai passé très peu en fait. J'ai dû en passer deux. Mais en théâtre, j'ai passé le concours de la classe libre qui permettait aux gens qui n'avaient pas d'avoir des cours gratuits pendant 2 ans avec l'élite et j'ai eu la chance d'être choisi. Et ensuite, j'ai rencontré Francis lors de ma première pièce de théâtre qui était une pièce de Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu, avec Boris Terral, avec une très très belle distribution. Et Francis a toujours été quelqu'un de. Il avait senti ce que j'étais. J'étais quelqu'un de très. Comment dire d'assez sauvage. Mmh. Assez vraiment, à peine on touchait, ça brûlait. À fleur de peau. Ouais, vraiment. Ouais. Et c'était quelqu'un qui avait senti ça tout de suite. Il avait une grande humanité, alors que moi, je pensais que, bon, je le voyais avec. J'étais tellement ignorant, je le voyais avec un préjugé stupide, comme on est quand on est jeune. Et donc, c'est quelqu'un de formidable. Je l'ai encore croisé, j'espère tourner très bientôt avec lui. Eh bien, on l'embrasse, Francis, il nous regarde ce matin. Vous restez avec nous, Philippe? Ah, bah oui. On marque une. Pars pas. Restez là. On marque une petite pause et on revient pour la suite de votre télématin.